Vendredi 20 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bon arrivée. Ce matin, nous recevons M. Moses, militant du mouvement citoyen. Lucien Moïse, bonjour et bon arrivée. Bonjour et bien merci. J'espère que vous allez bien. Tout va très bien de notre côté. Alors, c'était prévu ce matin que vous puissiez tenir un briefing ou alors un point de presse pour normalement annoncer de nouvelles manifestations. Nous apprenons que la communication a été reportée à une date ultérieure. Qu'est-ce qui s'est passé et c'était pourquoi cette communication encore aujourd'hui, quelques jours après bien sûr la manifestation qu'on a eue la fois dernière à Goma? Alors, il faut d'abord rappeler à l'opinion que les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression, y compris la société civile, nous avions organisé récemment certainement notre manifestation qui avait pour objectif certainement d'en appeler aux troupes de l'EAC à pouvoir arrêter avec... certainement, le fait de dorloter avec le M23, nous étions en train également de rejeter ou refuser l'avènement des troupes sud-soudanaises. C'est en fait les quelques raisons qui ont justifié la tenue de cette manifestation. Alors, après la manifestation, l'organisation, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous arrêter par là. Il faut certainement continuer. Alors, c'était prévu qu'aujourd'hui, on s'entretienne avec vous de la presse, les médias, pour fixer l'opinion par rapport à la suite de nos actions, surtout citoyennes. Alors, l'équipe d'opération vient de réajuster. Donc, on revient vers vous incessamment pour une autre communication. Nous sommes en train de faire une mise en commun pour certainement avoir une communication très harmonieuse et musclée. Donc, d'ici là, quelques jours, nous allons vous fixer par rapport à la suite de nos actions et nous estimons que tout va aller très bien. Mais en attendant, nous sommes en train de féliciter toute la population qui s'approprie cette action, justement parce que notre pays est sous menace et ça nécessite en tout cas la mobilisation de tout un chacun. Pour nous, nous devons en tout cas appeler l'EAC à pouvoir quitter les sols congolais parce que depuis qu'ils ont débuté les pourparlers avec les M23, nos compatriotes continuent à mourir. Et en plus de cela, l'EAC n'est pas venu dorloter les M23. Ils sont venus faire la guerre et voilà pourquoi est-ce que nous en prenons certainement à cette hypocrisie de la part de cette force sous-régionale. Alors, merci beaucoup pour cette mise au point. Alors, parlons de la situation d'aller-retour. Nous apprenons qu'il y a eu une reprise des affrontements. 5 jours après, bien sûr, un calme qui s'était observé. Parce que sur toutes les lignes des fronts, on a appris que les M23 auraient en tout cas renforcé ses positions de Tongo Rwindi. Il y a d'ailleurs la société civile qui a alerté, je cite, « Nous constatons que ces gens veulent couper la route de Goma-Sake et prétendre Somiki, la cité de Kibirizi, Kichanga, et prétendre aussi qu'ils le lirouent pour aller dans les sites minières de Rubaya. » Là, nous sommes dans les Masisi. Comment vous analysez cette révélation de la société civile qui parle de cette avancée du M23. En fait, on ne peut pas sous-estimer ce genre d'informations. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sous menace et nous faisons face à un mouvement qui n'est pas sincère. Nous faisons face certainement aux gens qui ne disent pas la vérité. Et du côté du M23 et du côté de l'EAC. Donc, il faut prendre en compte cette alerte de la société civile de Rutshuru et prendre des mesures conséquentes quant à ça. Ce qui est sûr, c'est que
L'M23 ne cesse de foncer et l'EAC nous trompe. L'EAC nous raconte des histoires pendant que sur terrain, c'est le contraire. Donc nous, nous pensons de notre côté que les autorités compétentes, les responsables de notre armée doivent écouter plus la population. C'est la population qui vit au quotidien la vraie version, la vraie situation et ne pas se fier aux histoires, aux racontars de l'EAC. Donc c'est très, très sûr et très probable que ça soit vrai. L'M23 est trop malin et voilà. Qu'est-ce qu'on peut craindre si jamais aujourd'hui l'M23 prenne Masisi? On peut craindre quoi, au fait? Ce qui est sûr, c'est que ces rebelles continuent certainement à nous malmener, même dans la communication. Tantôt, ils vous disent que non, nous avions cédé telle zone, mais vous y envoyez déjà, vous racontez que c'est le contraire. Tantôt, ils font des communiqués comme pour dire que nous nous inclinons devant les résolutions des responsables de l'EAC, mais sur terrain, c'est le contraire. Donc, nous, nous pensons que les forces armées de la République doivent se déployer partout à travers la province et doivent en tout cas être aux aguets, justement parce que on ne sait pas les plans machiavéliques de l'ennemi. Et ce qui est sûr, à ce stade, nous, nous sommes en train de ne même plus se fier à ce que communique l'EAC. On n'est pas sûr de la déclaration et de l'EAC et du M23. Vous avez lu les communiqués du Rwanda d'hier? Certainement, nous nous pensons que le Rwanda commence à s'ajouter et ça nous réjouit. Le fait que quand on dit la vérité, vous sentez que Kigali n'est pas dans sa peau et nous allons continuer. Il faut rappeler que Kigali vient de faire sortir cette déclaration après justement notre grande manifestation et nous nous disons que nous nous félicitons pour ça. Nous pensons que Kigali doit sentir. Donc la communauté internationale, les gouvernements congolais doivent faire et continuer à renforcer la pression. D'ailleurs, nous étions et nous continuons à demeurer parmi ceux-là qui pensent qu'à ce stade, il faut qu'on ferme les frontières congolo-rwandaises, dira une certaine période, 6 mois, une année, pour sanctionner Kigali, couper les relations diplomatiques et économiques avec les Rwandais, parce que Kagame lui a dit qu'il ne pourra plus recevoir nos réfugiés. C'est quand même inhumain et nous, nous pensons qu'on ne peut pas demeurer indifférent. Nous appelons Kinshasa à pouvoir également fermer la frontière congolo-rwandaise et couper les relations diplomatiques et économiques avec Kigali qui continue à appuyer les terroristes du M23 qui massacrent des milliers de nos compatriotes et aujourd'hui des milliers de déplacés sont à Kanyaruchinya suite à cette barbarie de M. Paul Kagame, l'inhumain Paul Kagame. Quand vous appelez les autorités à fermer la frontière avec le Rwanda, économiquement, qui est le plus grand perdant dans tout ça? Nous ne pensons pas qu'on soit les perdants, justement parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas quelque chose de trop spécial à se vanter à l'égard de la RDC. Je pense que le gouvernement congolais, si cette mesure est prise, nous allons voir si ce seront les Rwandais qui vont mourir de faim ou nous. Monsieur le journaliste, il faut vous renseigner auprès des services douaniers. Vous allez vous rendre compte que nous ravitaillons plus les Rwandais que l'inverse. Donc nous, il n'y a rien de spécial au Rwanda que nous allons envier. Donc nous, nous pensons qu'il faut prendre des mesures courageuses. Le président Félix Tshisekedi dit dans des salons diplomatiques à l'international ne cesse d'indexer Kagame, ne cesse de taxer les Rwandais. Et ce qui est fondé, il faut maintenant aller au-delà, il faut sanctionner Kagame par des mesures très lourdes et la communauté internationale devait même mettre la main sur M. Paul Kagame et l'amener à l'AI. Les Rwandais accusent la RDC de fomenter des manifestations dans le but d'obtenir le départ de la force régionale et de saboter les décisions du ministre sommet de Luanda. Ça vous dit quoi, monsieur Moïse? Ça nous surprend quand même. Quand Kagame peut commencer à dire que nous sabotons les résolutions du ministre sommet de Luanda, d'abord il faut insinuer dans ses propos que d'une manière ou d'une autre, logiquement, Kagame reconnaît le pari du M23. Ça, il faut acter, messieurs les journalistes. En avançant maintenant, quand il évoque que nous ne respectons pas les résolutions de Luanda. D'abord, ici, il faut comprendre qu'il accuse le gouvernement congolais, selon Kigali, Kinshasa
avait donc instrumentalisé, en d'autres termes, les jeunes ou les manifestants à protester contre la force régionale en fait de saboter donc cette décision de Luanda. Donc pour Kigali, il y aurait une main noire derrière vous. Une main noire, ça veut dire quoi? Mais notre gouvernement, Kinshasa, c'est notre gouvernement. Félix Tshisekedi, c'est notre président. Sama Lukonde, c'est notre premier ministre. Et la souveraineté appartient au peuple. Quand le peuple s'exprime, ça veut dire que Kagame doit écouter la voix de la population et pas commencer à raconter des histoires. Notre conscience est derrière nous. Nous défendrons ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Pas question de... Est-ce qu'en un mot, on peut dire que le gouvernement vous soutiez ce que dans ces manifestations, parce que visiblement on a vu votre manifestation être violemment réprimée, où il y a eu même des blessés parmi lesquels les journalistes et quelques cas d'interpellation. Est-ce qu'on peut dire que Kinshasa est derrière vous, est d'accord aussi toi avec ces manifestations? Peut-on dire que Kinshasa est derrière nous? Je pense oui, Kinshasa est derrière nous parce que notre seul ennemi, c'est le Rwanda. Notre seul ennemi, c'est... Le gouvernement derrière vous pendant qu'on vous a vu réprimer. Est-ce que dire que le gouvernement est derrière vous, c'est pas soutenir les propos du Rwanda? Ça, c'est une affaire de la maison interne. Quand le père et ses enfants s'entretiennent, où il y a est-ce des failles à la maison. Est-ce que vous que le gouvernement vous soutient dans vos manifestations? Il faut peut-être donner l'essence à ces verbes. Hein. Quand nous parlons du soutien... S'il vous plaît, là, il faut partir lentement parce que vos propos que vous tenez, vous assumez. D'abord, il faut comprendre que le Rwanda accuse le gouvernement congolais d'instrumentaliser les jeunes, c'est ça le contexte. Et quand vous dites que le gouvernement est derrière vous, c'est-à-dire vous soutenez aussi les Rwandais qui accusent le gouvernement congolais. Je puis vous rassurer que si vous vous fiez aux déclarations de M. Paul Kagame, vous n'aurez rien en termes de vérité. Ce qui est sûr, nous la population congolaise du Nord Kivu, nous nous sommes levés pour dire non à cette agression du M23 appuyé par Maurice, partons lentement. Comprenez bien la question. On est dans le contexte où vous avez organisé des manifestations pour, disons, contre l'EAC en général, donc la force régionale en général, c'est ça là. C'était parmi les mobiles de votre manifestation, c'est pas ça? Évidemment. Après votre manifestation, Kigali fait un communiqué qui accuse le gouvernement congolais de vouloir instrumentaliser les jeunes en fait de protester contre la force régionale et piétiner sur la résolution de Luanda. Est-ce que Kinshasa, alors je reviens dans les propos du Rwanda, est-ce que le gouvernement congolais vous instrumentalise? Le peuple congolais et ses dirigeants, pour cette période où nous sommes menacés, nous nous serrons les coudes pour faire certainement une lutte d'ensemble et anéantir l'ennemi. Voilà ce qui explique tout ce que nous avions fait, bien qu'à l'interne, il y a eu des petits dérapages, il y a des policiers qui se sont mécomportés, et ça, c'est une affaire interne qui ne concerne en rien les Rwandais. Je reviens sur ma question. Et rassurez-vous que vos propos vous assumez, d'accord? Certainement. Est-ce que Kigali accuse Kinshasa de soutenir ce jeune que Kigali considère vouloir déstabiliser la force régionale, en fait de boycotter, alors s'il faut le dire comme ça, ou de piétiner la résolution de Luanda? Est-ce que vous confirmez que vraiment... en d'autres termes, je pose la question, c'est le gouvernement congolais qui vous a envoyé dans la rue? Je ne peux pas dire ça. Le gouvernement ne nous a vraiment pas envoyé dans la rue. Il faut éclairer l'opinion. Nous nous sommes nous-mêmes. Et quand vous dites que c'est le gouvernement qui vous soutient, c'est-à-dire c'est lui qui vous a envoyé dans la rue, alors c'est pourquoi je repose ma question dans d'autres, dans plusieurs sous-formes, pour essayer un peu de comprendre quand même. Pour la question de l'agression, pour certainement. On reste d'abord sur le communiqué du Rwanda. Parce que l'actualité aujourd'hui, c'est Kigali a acquise Kinshasa de vouloir vous instrumentaliser pour piétiner la résolution de Luanda. Alors on laisse d'abord l'agression, on sait qu'il y a d'autres manifestations dans ce sens-là. Parce que le Rwanda s'est limité uniquement sur votre manifestation qui vise aujourd'hui la force régionale.
la population congolaise et ses dirigeants parlent un même langage pour ces stades. Et ça ne concerne rien Kigali, c'est que nous, la population, avec nos dirigeants, bien qu'ils soient ce qu'ils sont, nous sommes ensemble pour barrer la route à leur plat machiavélique, au plat machiavélique de Paul Kagame. Ça veut dire que le peuple congolais, ses dirigeants, se serrent les coudes pour certainement mettre en l'impression de certains. Ok, je comprends bien tes réponses. Quels sont les éléments que vous pouvez avancer qui montrent réellement que vous parlez le même langage avec les gouvernements? Pendant que moi, personnellement, en tant que journaliste, j'ai couvert votre manifestation. D'abord, au début, quand vous aviez annoncé votre manifestation, le maire de Goma a interdit. Ça, c'est le premier élément qui montrait que le gouvernement ne vous a jamais envoyé dans la rue. La deuxième chose ou le deuxième élément, lors de votre manifestation interdite, on vous a dispersé. Il y a 6 manifestants arrêtés, parmi lesquels les journalistes également, bien sûr. Ça, c'est le deuxième élément qui montre que le gouvernement n'a jamais été d'accord pour cette manifestation d'avant-hier mercredi. Ça, il faut atténuer les choses, il faut que les choses soient claires. Alors, montrez-moi les éléments qui démontrent que réellement le gouvernement vous a soutenu. Je pense que je suis en train de comprendre la question de ma manière et je réponds de ma manière. D'abord, s'il faut revenir, il faut situer des niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau interne et le niveau externe. À l'interne, certainement qu'il y a eu des failles de la part de notre gouvernement. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, moi? S'il faut répondre à votre question, c'est que peut-être je peux recadrer ma réponse en disant que le gouvernement nous soutient moyennement. Comment ça? Parce donne que des moyens. Pas de moyens, en tout cas jamais, ces côtés-là non. Le gouvernement a presque le même discours que nous, mais sur terrain, il y a des dérapages. S'il vous plaît, le gouvernement n'a jamais eu le même discours que vous pour cette manifestation, il faut l'avouer. Parce que votre discours, c'était marcher contre l'EAC, n'est-ce pas ça? Mais le gouvernement a dit non, c'est pas opportun. Parce que la situation n'est pas bonne pour ne pas donner, je sais pas, les brèches à l'ennemi. On a interdit la manifestation. Comment maintenant le gouvernement vous soutient? Par quels moyens? Alors, je réajuste mes propos pour une compréhension plus élargie. Ce qui est sûr, quand je dis moyennement, ça veut dire qu'il y a des points sur lesquels nous ne nous accordons pas avec le gouvernement. Faut-il d'ailleurs vous rappeler que c'est notre gouvernement qui est parti nous faire adhérer dans l'East African Community. Ça, par exemple, on n'était pas d'accord avec le gouvernement. Le président de la République lui-même est conscient. Un deuxième élément, quand on a déployé les troupes de l'EAC, c'était sur accord du gouvernement, c'était sur accord de Kinshasa. Notre gouvernement, ça, on n'était pas d'accord. La société civile, la Lucha et d'autres mouvements citoyens, on a été en désaccord avec le gouvernement par rapport certainement à ça. Mais maintenant, quand cette force est devenue inactive, quand cette force de l'EAC a entamé des pourparlers avec certainement les M23, et les M23 a récemment fait un communiqué disant que non, là où l'EAC se trouve, les M23 ne veut pas, c'est le fameux Willingoma qui l'a dit, les M23 ne voulait pas ou ne veut pas et ne tolérait là, pas que certainement les FARDC accèdent à cette zone. C'est là où nous montons au créneau, nous ne comprenons pas comment est-ce que les rebelles peuvent dire ça. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, mais totalement, nous, ce que nous faisons, ça n'engage que nous et nous assumons en tant que peuple. Kigali, que Kigali dise que le gouvernement vous appuie ou qu'il ne nous appuie pas, nous, ce qui nous concerne, c'est que c'est notre conscience qui nous envoie dans la rue, c'est notre conscience qui nous dit que certainement le l'EAC dorlote l'M23 et que nous ne pouvons pas permettre cette hypocrisie de la part de la force régionale. À quoi la prochaine manifestation? La prochaine manifestation, c'est incessamment. Nous allons en tout cas la tenir dans moins de 2 semaines, je pense. Dans moins de 2 semaines. Et ça ne sera pas juste une simple manifestation. Le type d'action, nous allons devoir vous en tenir au courant. Raison pour laquelle nous sommes en concertation. Toutes les forces vivent et nous reviendrons vers vous incessamment pour toutes les précisions possibles. Mais la barre reste maintenue très haut. Ça ne sera pas une simple manifestation, c'est-à-dire vous allez appeler à des violences.
Je puis même vous... Ça ne sera plus une manifestation pacifique. Nous n'avons jamais été violents. C'est parmi nos valeurs. Nous sommes non violents, nous sommes non partisans, nous sommes indépendants. Alors, la manifestation, elle sera certainement d'une grande envergure. Ça veut dire, ça sera peut-être une ville morte, ça sera peut-être tout ce que ça sera. Et ça, vous le saurez incessamment. Mais d'abord, il faut retenir que pour cet instant, nous sommes en train d'en appeler aux forces de l'ASC d'arrêter de déambuler dans la ville de Goma. Et si ces forces continuent, ça nous considérons comme étant une provocation et elles doivent être conséquentes de toutes les retombées de ces déambulages. Alors, peut-être on se quitte par cette question. On a vu en tout cas une évolution, il faut l'avouer, un petit changement. Côté FRDC, nous voyons aujourd'hui des nouvelles tenues, des nouvelles uniformes dans des éléments de FRDC. La fois passée, on a vu comment, en tout cas, les militaires congolais sont bien vêtus. Et quelque chose qui a été vraiment salué par plusieurs Congolais. Bien vêtus, bien armés également, il faut ajouter. Ça vous dit quoi? C'est quoi votre impression? Nous pensons que les forces armées font très bien leur travail. S'il y a eu changement de tenue, ça ne concerne que la cuisine interne de notre FRDC et en rien quelqu'un d'autre. Ça veut dire que nous encourageons les forces armées. Vous vous rappellerez que récemment, on a levé l'embargo contre la RDC. Ça veut dire que maintenant, là, nous arrangeons toutes nos affaires à l'interne. L'achat des tenues, l'achat... Tu n'as pas qu'à Ondoka, à pas. Tu n'as rien de facile, ni à qui nous jouons à la bague. Mais on y a que... Ni nous, nous sommes à mon agane. Mimi ninafurahi kuona mnafika hapa. Tulikuwa hapa kweli. Amwa walikuwa Goma, wengine wako huku chakula. Amwa wako napata chakula, makuta hata tupate chakula huko, tulikuwa tunakosa fasi ya kuuzisha. Juu barabara inafungiwa antuka. Hapa barabara wakifungula wa Kenya wanatuchunga. Tunaezi furahi sana kushinda jinsi tulikuwa kwa hali yenyewe tulikuwa ndani. Na maoni yenu mnapenda wa Kenya wapigane na M23 ili amani ikue wala? Sie tunapenda amani ikue. Kama watawarudisha, tukue na amani, vile njo venye tunapenda. Tunapenda amani en fait. Na nini mwaneza omba kwa guvernema yetu? Guvernema yetu tunaezi omba irudie. Sae M23 narudia, guvernema irudie tuchunge kama vile kawaida. Na huu mzeko nilugezi na wei. Thank you.